Alors, on va prendre les deux mains croisées. Vous pouvez mettre deux par deux. On va faire ensemble si ça paraît plus adapté pour le faire. Main droite, je crochète la main. Je laisse mon pouce en haut si vous préférez. Main gauche, en dessous, je crochète également et je garde. Voilà, c'est un verrouillage de main. On va faire un slide vers le mur qui est devant nous. Glisse, regroupe, glisse, regroupe. Et on revient. Glisse, regroupe et glisse, regroupe. Et on repart. Glisse, regroupe et glisse, regroupe. Et revient. 3, 4. Alors on va mettre tous les garçons dans le même sens. Voilà. Vous pouvez vous décompresser un petit peu, vous mettre comme ça. Donc, en plus de ce déplacement glissé, on va faire un déplacement avec les mains. On va faire une vague. On est arrivé au bout et retour. On revient. D'accord? Je vous montre et vous faites après. 1, 2, 3, 4. Reviens. 2, 3, 4. Ensemble. 2, 3 et 1. 2, 3, 4, reviens, 2, 3, 4, encore, 2, 3, 4, reviens, 2, 3, 4, slide, allez, slide, retour. Alors, ça aurait été bien peut-être, j'ai oublié de prendre un paper, un papier, marquez pas, attrapez le coude de notre partenaire, coude droit, et on va faire un tour complet sur un pas de polka, vous vous rappelez le boum de droit. On y va. 1, 2, boum, 3. Là, on entend bien les talons. 2. Et on est revenu à notre place de départ. Donc, on va changer de bras. Bras gauche et repartir sur du boum de 3. Le pied qui tombe bien. Boum de 3. Boum de 3. Boum de 3. Boum de 3. Ça va? Crochet du coude, aller-retour. Bras droit. La main droite au-dessus. Donc, vous gardez bien la main gauche en laissant glisser. Et on va crocheter la main droite au-dessus. Le monsieur va faire honneur aux dames, il va faire tourner la dame sur le dessus. 1, 2. Alors regardez, on a les mains, là les paumes, la paume de la dame, elle est vers elle. Et bien maintenant, on va faire tourner l'homme. 1, 2. Puis de nouveau la dame. 1, 2. Sur le même pas de polka, vous savez. 1, 2. Et monsieur, 1, 2. Gardez votre main gauche pour le sweep. Non, la taille droite. La taille droite dans le trou, voilà. Tenez bien la taille. Juste au niveau de la... Là, regardez, c'est ce morceau-là qu'on attrape. Le petit bourrelet qui est là. Écartez les bras. Et... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mon partenaire a envie de jouer, vous avez tourné 7 et 8. Je lâche la taille, j'attrape à nouveau la main pour reprendre la danse à zéro. On se retrouve dans la même position que celle dans laquelle on était. Est-ce que c'est bon? Ça va pour tout le monde? On va recommencer? Donc on reprend le glissé et